Donc l'écoute est complètement relâchée, abandonnée. Et dans cette écoute sans tension, on voit comment les sensations, les perceptions se dévoilent, émergent et disparaissent dans le même instant. C'est l'essentiel de ces approches de yoga réside dans cette qualité d'écoute dans laquelle il n'y a pas d'implication. Le corps tout entier est un objet de perception. Il n'y a pas d'appropriation. On laisse tout d'abord la sensation globale du corps s'éveiller, se dévoiler. On explore avec une attention particulière la face postérieure du corps, c'est-à-dire depuis le coccyx jusqu'au sommet de la tête, en passant par le dos, les omoplates, la colonne vertébrale. Donc on laisse s'éveiller toute la partie postérieure du corps qui devient sensible, tactile. Et la sensibilité de la face postérieure se déploie lentement dans l'espace arrière, en direction du mur arrière. Comme si on pouvait toucher le mur arrière, sentir sa matière, sa température, sa densité. On explore l'espace arrière tout entier, incluant les recoins, les angles, les parois. Comme si on habitait pleinement l'espace arrière. On localise la respiration dans l'espace arrière. C'est l'espace arrière qui inspire, l'espace arrière qui expire. Le souffle va venir remplir tout l'espace, jusqu'au mur, jusqu'aux angles de la pièce. On prend tout son temps.
Localise maintenant l'écoute dans l'espace arrière. C'est l'espace arrière qui écoute. Laisse s'éveiller maintenant la sensibilité de la moitié gauche du corps. On ignore la moitié droite. On laisse lentement la sensibilité de l'hémicorps gauche se déployer dans l'espace gauche, prendre contact avec les parois. Localise le souffle dans l'espace gauche. Espace gauche tout entier qui respire. Localise l'écoute dans l'espace gauche.
Laisse éveiller la sensibilité de l'hémicorps droit. On néglige l'hémicorps gauche. Sensibilité se déploie dans l'espace droit lentement. Va venir prendre contact avec les parois. Focalise le souffle dans l'espace droit. Focalise l'écoute dans l'espace droit. Laisse éveiller la partie avant du corps physique. Sa vibration. Lentement, la sensibilité se déploie dans l'espace avant. Dans l'espace avant tout entier.
localise le souffle dans l'espace avant. Localise l'écoute dans l'espace avant. S'éveiller la sensation globale du corps, le corps comme un tout homogène. Sensibilité lentement se déploie dans l'espace global de la pièce. Prends contact avec toutes les parois en même temps. L'espace tout entier est habité. Localise le souffle dans l'espace tout entier. C'est l'espace global qui inspire, l'espace global qui expire. Localise l'écoute dans l'espace tout entier.
Contact des deux paumes de main avec le sol, de part et d'autre des deux cuisses. Laisse éveiller tout d'abord le contact entre la paume gauche et le sol. Sensation de la paume, sensation du sol, une seule sensation. Le poids de l'épaule gauche va venir lentement se déposer sur cette zone de contact. Laisse l'épaule descendre complètement dans sa cavité. Encore davantage si on peut. Laisse éveiller le contact entre la paume droite et le sol. Sensation de la main se dissout à l'intérieur du sol. Contours de la main disparaissent. Poids de l'épaule droite lentement va venir se déposer sur cette zone de contact. Le bras gauche, l'aile gauche ne participent pas, sont détachés. Sensation des deux ailes, droite et gauche, ensemble, une seule et même sensation. Laisse éveiller la sensibilité de la colonne lombaire.
Très lentement, la colonne lombaire va se détendre, s'affaisser en direction du sol. Et tout le haut du corps va venir s'affaisser en direction du sol. Comme si le haut du corps est un mannequin dégonflé, une poupée dégonflée. Des épaules déposées en direction du sol. Le bassin naturellement pivote vers l'arrière. Tout le poids du haut de la structure se dépose en direction du sol. Avec la même qualité d'écoute, la colonne lombaire va revenir en direction de la verticale. Espace vide entre les vertèbres depuis le bas vers le haut. Les vertèbres se séparent les unes des autres. Maintiens le poids des épaules, le poids des ailes déposés sur les zones de contact avec le sol. Menton descend légèrement en direction du sternum, se retire vers l'arrière comme un tiroir. Colonne cervicale s'aligne à la colonne dorsale. Contact du sommet de la tête avec le plafond. Une ligne verticale descend du plafond, traverse le sommet de la tête, l'axe vertébral jusqu'au sol. La sensation du corps va venir se résorber dans cette ligne, comme si le corps tout entier n'est plus qu'une ligne verticale. On laisse la respiration se déployer dans le corps tout entier. Incluant la base du corps, les quatre membres. Le souffle imprègne le corps tout entier. Longue inspire, longue expire. Corps tout entier inspire, le corps tout entier expire. Mouvement du souffle est complètement fluide, sans à-coups.
Sensibilité se déploie dans l'espace avant, en possession d'espace avant. Uniquement la sensation du buste va venir descendre vers l'avant en direction du sol, lentement. Le buste lui-même ne bouge pas, reste vertical. C'est la sensation qui se libère de la structure et va venir se déposer sur le sol vers l'avant. Avec la même qualité d'écoute, la sensibilité va revenir à la verticale et réintégrer le corps physique. Maintenant, c'est le buste lui-même qui va venir descendre en direction du sol. Le mouvement se fait à partir de la colonne lombaire et non pas à partir des épaules. Le mouvement se fait à chaque expiration. On prend tout son temps, se fixe aucun but. Le corps tout entier est un objet d'écoute. Le mouvement se déroule dans l'immobilité du silence. Poids des deux ailes, des deux épaules déposées sur les paumes. Paume de main glisse lentement vers l'avant. À chaque expiration, le poids du corps se dépose davantage à l'intérieur du sol. Également après la fin de l'expiration, tout le poids de la structure se dépose à l'intérieur du sol. Longue expiration. Paume de main glisse vers l'avant, l'expansion des deux ailes des deux bras. La tête lentement se soulève. Sensation du visage se retire quelques centimètres vers l'arrière, comme si le visage lui-même n'est plus qu'un masque.
Tête lentement redescend. Tête remonte à nouveau. Redescend. Remonte. Descend. Paume de main reviennent à l'aplomb des épaules. Lentement, le buste revient à la position verticale. Corps tout entier est écouté tel qu'il est. Laisse sa sensibilité s'éveiller, puis se déployer dans l'espace global. Laisse éveiller la sensibilité des deux membres inférieurs. Va-et-vient du souffle se prolonge dans les deux membres inférieurs jusqu'aux extrémités. Lentement, les deux membres inférieurs s'allongent à l'horizontale devant. Poids des deux genoux se dépose à l'intérieur du sol. Des deux épaules déposées sur les deux paumes.
Sortir la colonne lombaire lentement. La colonne vertébrale s'allonge dans la verticalité, se déploie. Respiration abdominale est fluide. S'éveiller la sensibilité des lèvres et de la muqueuse interne de la bouche. Sensibilité se déploie dans l'espace avant, prend contact avec le mur avant. Pendant l'expiration, pendant chaque expire, partir de la colonne lombaire, le buste va venir descendre vers l'avant, se fixe aucun but, légère flexibilité des genoux si nécessaire, voix des ailes est déposée sur les deux paumes, les ailes sont vides, vacantes. Corps tout entier contenu dans l'écoute, dans le regard, il n'y a pas d'implication. Longue expiration. Voix du corps se dépose à l'intérieur du sol, à chaque expiration davantage. Longue expiration. Cette détente du corps à l'intérieur du sol se prolonge après la fin de l'expire, avant le début de l'inspire suivant. Tout le poids de la structure se dépose à l'intérieur du sol. Longue expiration. La même qualité d'écoute, le buste va revenir lentement à la position verticale. Deux paumes de main glissent vers l'arrière.
Tac des racines de doigts avec le sol. Des deux genoux se déposent à l'intérieur du sol. On voit comment le corps tout entier apparaît dans le regard. Comment l'espace de la pièce apparaît dans le regard. On descend en direction du sternum. Sommet de la tête se dirige vers le mur arrière. Colonne vertébrale enroule une sphère géante. Poitrine, la gorge se déploie vers le plafond. Le souffle se déploie vers le plafond. Bien lentement la position de repos. Deux paumes de main dessinent un demi-cercle vers l'avant. Menton en direction du sternum. La tête dessine lentement un cercle aussi vaste que possible. Le mouvement se fait dans un liquide. Quand la tête arrive en bas, le mouvement s'inverse. Quand la tête arrive en bas, le mouvement s'arrête. La tête revient lentement à la position verticale. On réintègre la position assise au sol, jambes fléchies. Or, tout entier est écouté.
S'éveiller, la sensation de l'hémisphère gauche du cerveau. On explore cette sensation. Lentement, le poids de l'hémisphère gauche descend en direction de l'épaule gauche. Comme si l'hémisphère gauche pouvait prendre contact avec l'épaule gauche. S'éveiller la sensation de l'œil gauche dans sa cavité. Ouais, l'œil gauche se dépose lentement sur le plancher de l'orbite gauche. Complètement déposer l'œil sur le plancher. S'éveiller la sensation de l'hémisphère droit du cerveau. Lentement, le poids de l'hémisphère droit va venir se déposer sur l'épaule droite. Sensation de l'œil droit dans sa cavité. Lentement, le poids de l'œil droit se dépose sur le plancher de l'orbite droit. Revient à la sensation globale du corps, corps tout entier.
Une seule et même sensation. Laisse éveiller la vibration du corps tout entier. Sa transparence, corps tout entier, comme un objet transparent. Transparence de l'espace global, l'espace alentour. L'espace et le corps, une seule et même transparence. Très lentement, on ignore cette transparence, on la néglige. L'écoute, réintègre l'écoute. Le regard, revient au regard. Voyez tout entier, unité. Merci.